pas dans le temple avec la monnaie romaine. Il faut des shekels, tu sais. Ce n'est pas cher, mais si ce pot ne te plaît pas, je vais t'en montrer un autre. Transformer la maison du Seigneur en marché, c'est une honte. Marché conclu. On sera le même cours chez tous les autres changeurs, mon ami. Ça fait 10 shekels et demi. Prends-en deux au lieu d'un, le Seigneur t'en récompensera. Deux beaux agneaux avant, deux beaux bien gras. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes! Rendez-moi mes pièces d'or. Cette maison est une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est un fou. Ce n'est pas un prophète. Regardez-le. Rabbi, je me nomme Zera, et je suis un scribe de ce saint lieu depuis des années. Et j'ai ainsi que mes frères suivi ta mission avec le plus grand intérêt. Nous avons entendu dire des choses très belles à ton sujet, mais ce que tu viens de faire ici nous choque et nous étonne à la fois. Est-ce que tu veux détruire le lieu sacré qu'est ce temple? Le temple n'est pas seulement de la pierre. C'est la maison de Dieu. Et elle ne peut être détruite aussi longtemps que Dieu l'habite. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et tu prétends que tu pourras le rebâtir en 3 jours. Tu as entendu. Mais tu n'as pas compris le sens. Rabbi, dis-toi que je comprends mieux que tu ne penses. Maître, ce scribe était venu dans l'intention de t'accueillir d'une façon amicale. Il voulait comprendre le sens réel de ta mission. Était-il prudent de le décourager si vite? C'est peut-être l'esprit le plus ouvert des membres du Sanhédrin. Ouvre ton cœur, Judas. Non, ton esprit. Ouvre tes yeux et ton